Everybody, everybody, we bad and determined. For the win, you we yearning. There's a fire that's burning. It's up to we turning. You can doubt we the baddest. We came here to shine. And I ain't worried about yours. I'm trying to get mine. Come on. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre émission 100% Olympique Lyonnais, 0% Langue de Bois. Il est présent chaque lundi, c'est notre consultant de choc, Nicolas Putebois. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. Heureux de te retrouver pour cette première. Très content d'être là. Avec un nouveau partenaire, McDonald's. Ouais, ça, ça, fait ça, plaisir. Fait du... ouais, ça nous ressemble. Ouais. <laughs> Merci à eux de nous accompagner. C'est vrai que ça nous ressemble, on aime bien manger, <laughs> même s'ils font, hein. font de la salade. Ils justement. font de la salade, justement. Bah, c'est justement de ça que je parle. Donc c'est une histoire de choix. Tout à fait. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde choisit son... Venez comme vous êtes. Exactement. Armand Garrido, pour euh, cette première justement de la saison. Merci Armand d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, bonjour, et merci à vous de m'avoir invité. Et c'était un choix, on va le dire, de Nicolas Pudebois, ouais. qui a tenu à ce que... Tu... On, on se tutoie, hein. hein On se connaît un petit sans peu. Problème, ouais, sans connaît... problème. Voilà, on se connaît un petit peu autour de, de cette table. Qui a, choisi... qui, a, qui, a, voilà, qui a souhaité que tu sois le, le, invi... le premier invité de, de cette euh, nouvelle saison. C'est gentil de la part de Nico. Ouais, voilà, Armand éducateur euh, à l'OL pendant plus de 30 ans. Formateur, 30 ans. éducateur, plus de 30 ans. Hein. 89 arrivés, euh, 19 arrivés. <laughs> Ce que je vous propose, de toute façon on aura le temps hein, bien sûr d'évoquer euh, la carrière d'Armand garido à l'Olympique lyonnais, c'est de rentrer dans le vif du sujet justement et d'évoquer euh, cette rencontre euh, face au Paris Saint-Germain, défaite de l'Olympique lyonnais 1-0 dimanche soir, but de Neymar. Ce que je vous propose c'est de regarder justement le, le classement. Ce qui est important c'est de regarder le classement et de voir cet Olympique lyonnais qui est à plus de 7 points du Paris Saint-Germain. Messieurs, la question elle est très simple. Est-ce que c'est un retard déjà significatif de l'Olympique lyonnais par rapport au Paris Saint-Germain, Nico. Euh, oui, j'estime que c'est un, 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 enfin, un écart trop significatif justement. Euh, C'était un, un objectif et une ambition affichée par le mmh. duo Silvino et Juninho euh, d'être le plus proche possible de, du Paris Saint-Germain. Euh, contrairement à l'ère Bruno Genesio où on finissait toujours à une vingtaine, voire une trentaine de points d'écart. Euh, force est de constater que c'est qu'au bout de six matchs, il y a déjà sept points d'écart et, euh, et oui, ça commence à faire pas mal de points laissés en route. Ah, Armand. Ah, je vais faire un peu la même analyse. Hein, <laughs> c'est facile. 7 points, 7 points après 6 matchs, c'est vrai que ça fait, plus ça fait un point par match. Un peu plus même, oui, c'est déjà c est, c est un retard ça conséquent. C'est vrai que c'est un peu frustrant parce que en début, lors du début de saison, on se disait que cet Olympique lyonnais pouvait au moins titiller le Paris Saint-Germain. Avec cette ambition-là, encore une fois, on l'a beaucoup regretté les, les saisons précédentes. Et là, encore une fois, comme tu l'as dit, d'ailleurs, tu emploies mes expressions, force est <laughs> de constater. Bah, que ce n'est pas le cas. Donc, forcément, ça engendre de la frustration côté des supporters. Monsieur, vous êtes mon maître, monsieur Brick. <laughs> Mais oui, oui, ça engendre de la frustration. Euh, on avait senti un ventre de nouveau sur, sur les deux premières rencontres de, la, de cette saison, euh, avec des belles victoires de l'Olympique lyonnais, avec euh, un état d'esprit euh, nouveau affiché par les joueurs. Euh, certains joueurs euh, s'étaient même mis à défendre, comme Traoré, comme Memphis. Ils, étaient vraiment dans le... Ils respectaient les consignes qu'avait qu affichées euh, Silvigno en conférence de presse. Euh, et puis, bah, au fur et à mesure, ça s'est un peu étiolé. Euh euh, on est un peu retombé dans le travers et, et c'est dommage parce qu'on retombe dans le travers aussi bien au niveau du jeu qu'en termes de, de résultats et de, et de, et de, et de, et de prise de points donc euh, voilà il faut, il faut retrouver une dynamique malheureusement ça n'a pas été le cas hier contre Paris ça n'a pas été le cas petit clin d'œil, Stade Foot vous le connaissez il officie sur Twitter des statistiques vraiment euh, de très <laughs> bonnes statistiques mais celle-ci elle n'est pas bonne comme ta statistique parce que regardez justement Stade Foot a remporté aucun match précédent la première émission de la saison de Tankara Degon 3 nuls 2 défaites Nico, le chat noir. C'est possible, peut c'est peut-être moi. <laughs> donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour, pour Stade Foot. Euh, on va évoquer la tactique, parce qu'on a Armand Garrido, formateur, éducateur, qui connaît le ballon. Ça me change de Nico, donc ça me <laughs> fait plaisir. Euh, vidéo qui avait un aligné à 3-5-2, est-ce que c'était le système adapté pour justement poser des difficultés, des problèmes à cette équipe du Paris Saint-Germain on a vu deux styles différents, on a vu deux systèmes de jeu un peu différents avec une équipe de Paris qui a tenu le ballon et, et euh, on a quand même ressenti euh, euh, une volonté de, de, de jouer l'attaque rapide, le contre, récupérer le ballon avec un système en 3-5-2 qui malheureusement a plutôt été sur le, le 5-3-2 où euh, on a quand même pas mal reculé et subi. Euh, je, par rapport aux joueurs que Lyon a, euh, c'est un système au départ qui, qui peut être euh, qui, qui, qui est est intéressant. Mmh. C'est pas un mauvais système. J'ai mmh. trouvé intéressant euh, la rencontre. Je l'ai trouvée intéressante par rapport au système de jeu qui était, un, qui, qui était différent. Ça peut marcher un bon contre. Par contre, on n'a pas vu la folie qu'on aurait pu espérer par moment. Et c'est vrai, que très frustrant. C'est très frustrant d'attendre de, 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 de voir des choses parce qu'on a quand même pas mal subi. Euh, on a subi la, la, la maîtrise de, de paris et, euh, et voilà bon après ça aurait pu, ça aurait pu marcher sur le, le nul ça aurait pu marcher sur le nul mais ça aurait marché difficilement sur la victoire quand même parce qu'on n'a pas j'ai pas senti le brin de folie qu'on a pu connaître peut-être en d'autres temps effectivement ce manque de, de, de folie et c'est vrai que ce manque d'intensité. Ça, 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 ah, en tout cas dans les tribunes c'est ce qu'on ressentait hein. Oui mais c'est récurrent depuis un ou deux matchs contre le Zenit c'était pareil euh, en, en Ligue des Champions on n'a pas senti cette intensité euh, qu'on doit mettre dans, dans, dans ce genre de match euh, là c'est des matchs de, de très très haut niveau donc c'est des matchs à, à haute intensité euh, normalement quand on joue en 3-5-2 euh, c'est fait pour être, avoir des, des, des transitions euh, défensives, offensives très rapides euh, avec des enchaînements et, euh, le problème c'est que quand on récupère le ballon dans son camp c'est compliqué d'avoir enfin euh, il faut remonter 70 mètres du terrain pour pouvoir aller Porter euh, le danger dans la défense adverse, et euh, c'est beaucoup plus simple quand on récupère dans le camp adverse ou vers la ligne médiane. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, a subi euh, le rouleau compresseur parisien. On leur a pas assez, à mon sens, euh, fait subir deux choses en fait. On a, on a plutôt nous subi et été un peu plus attentiste. Armand a raison quand il dit que c'était plutôt un 5-3-2 que un 3-5-2. Qu euh, ce, ce système peut, peut vraiment être très offensif. On a les joueurs, je pense, pour jouer dans ce système là et pour leur poser des problèmes. Mais hier, on a Plutôt, euh, subit euh, l'équipe adverse que, que, que fait subir des, 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 des choses. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être pour les entraîneurs, effectivement, on peut retenir des choses positives, et pour les supporters, les spectateurs, on va se dire bah, c'est plutôt décevant. Ce côté lyonnais, je parle, hein. à la limite, côté oui, parisien, ça ne nous intéresse euh, pas trop. Oui, oui. Les parisiens, ils devaient être quand même oui, oui. Ils se poser la question <laughs> si arriver à marquer un but. Euh, et, et si, encore une fois, il n'y a pas Neymar pour le faire, ça peut, ça peut passer. Donc l'option n'est au départ, pas forcément une mauvaise idée parce que ça peut ça peut fonctionner euh, après euh, pour moi on a quand même manqué un petit peu d'agressivité sur le sur la, la conquête de la balle parce que les parisiens ont quand même fait des longues séquences de maîtrise où peut-être si on est allé chercher un peu plus haut en étant un peu plus agressif on aurait peut-être pu ressortir quelques ballons et les mettre en danger un peu un peu plus souvent quoi parce qu'on les a on a eu quelques opportunités mais trop peu sur euh, par rapport à ah, euh, par rapport au match c'est trop, trop peu mais c'est vrai que sur ce genre de match euh, notre gardien est très sollicité Anto il fait encore 3 ou 4 arrêts très très intéressants enfin surtout euh, euh, important qui nous maintient dans le match jusqu'à la 87 e où, où Neymar fait un, un éclair de génie euh, mais il y a quelques joueurs qui se sont révélés on, on a tapé sur Andersen depuis le début de saison un peu parce qu'il a eu du mal à s'intégrer dans, dans ce collectif là on, on, en, a, on, a, on en attendait beaucoup c'est le joueur le, le, le plus cher de l'Olympique Lyonnais et euh, sur ce match là je l'ai trouvé intéressant euh, Marcelo, qui, pour, qui nous a surpris, qui sort qu'à cause des crampes, mais qui a fait un très bon match. Alors, c'est plus facile d'être de, euh, de, de, bon quand on subit et qu'on défend bien et qu'on est en bloc. Euh, mais par contre, pour apporter du danger euh, face au Paris Saint-Germain, il fallait euh, frapper au but et cadrer. Et pour le coup, on n'a on a cadré aucune de nos frappes. Donc, c'était compliqué. Face à un, à un PSG plutôt performant, avec un très bon gardien, si on cadre pas, c'est compliqué de marquer des buts. C'est compliqué de marquer des buts. C'est votre émission tous les lundis, 18h en direct sur YouTube et bien évidemment en multi diffusion sur Lyon Capital TV, hashtag TKYDG. On va voir justement un tweet de Lyon69 Lopez, euh, donc un petit tweet de Lyon69 Lopez qui nous dit à la rue techniquement. Alors, est-ce qu'on peut dire effectivement que c'est <laughs> étaient à la rue techniquement, Armand Je <laughs> t'envoie la patate chaude, hein. Mais... Ah ouais, euh, <rire> Cadeau. <rire> Cadeau. <laughs> ah, c'est difficile. Oui, bon. Techniquement, à la rue, euh, ben on n'a pas eu le ballon, donc c'était compliqué. <laughs> on n'a pas eu beaucoup de ballon, donc c'est difficile de s'exprimer techniquement. <laughs> mais c'est vrai qu'on y a eu pas mal de défaillances euh, de quelques garçons sur lesquels on, on entendait peut-être un. On, six... on, on peut attendre plus. On Merci. peut attendre plus. Je sais pas si hier ils avaient les moyens, mais mmh. en tous les cas, il y a des garçons sur lesquels on doit attendre. On doit avoir. On doit voir d'autres choses. Il doit avoir d'autres choses. Voilà, pour ne pas le citer, Memphis, il doit faire apporter beaucoup plus. On voit que d'un côté, celui qui fait la différence, c'est Neymar, la star de cette équipe. Euh, Memphis se revendique star de l'Olympique Lyonnais et pour le coup, il n'a pas, pas le rendement, enfin sur le match d'hier en tout cas et sur le Zenit aussi parce qu'on va parler un peu de ce qui s'est passé avant. Mais euh, il n'a pas le rendement, il n'a pas Laura et le, euh, il n'a pas Laura sur l'équipe qu'il devrait avoir ou qu'il prétend avoir. C'est dommage parce que c'est un joueur qui techniquement est au-dessus de la moyenne comme d'autres dans l'équipe, et qui doit nous aider à conserver le ballon, mais conserver de la bonne manière. Pas pour faire des dribbles, pas pour euh, euh, tout le temps éliminer l'adversaire. Il doit aussi avoir cette capacité de euh, conserver le ballon, euh, de faire tourner et de faire le jeu pour qu'on ait un peu plus de maîtrise, un peu plus de possession. C'est comme ça, peut-être qu'on aurait pu euh, mettre en danger cette équipe parisienne, ou en tout cas euh, essayer de leur poser quelques problèmes. Et en ce qui concerne la possession hier, c'est sûr qu'il y avait une, une telle différence qu'on n'a pas vu le ballon. Euh, un autre point aussi que je, je voudrais je, je voulais mettre un peu suis... en avant. C'est au niveau physique. Euh, on a senti que... Alors c'est sûr que face à une équipe contre Paris Saint-Germain, c'est toujours compliqué, ils mettent du rythme et mettent de l'intensité. Euh, mais j'ai senti une équipe euh, qui n'avait pas les ressources d'aller plus vite, d'aller chercher un peu plus euh, physiquement, d'apporter un peu plus d'intensité, un peu plus de vitesse dans le jeu. Peut-être parce que aussi physiquement, on a peut-être bien travaillé et qu'il y a toujours un contre-coup, il y a toujours une période de creux. Et, euh, et, et j'espère, en tout cas pour l'OL, qu'on est dans cette période de creux et qu'on repartira un peu de l'avant pour pour un un peu plus d'intensité et de rythme dans nos matchs. Tu le sais Nicolas, a vite une histoire de choix. Oui. Donc là on va évoquer les choix de Silvigno, même s'il y aura effectivement un thème qui sera consacré à, à l'entraîneur euh, lyonnais. Et on a euh, lyonnais justement 69 qui nous parle des, des choix de, de, de Silvigno. Les choix auront été la clé de la défaite, car Touzard et surtout Tété n'ont pas réussi à empêcher Neymar de marquer. Mais surtout pourquoi sortir Jira, donc c'est Jeff, Rennes, Adélaïde, qui est le meilleur et surtout toucher ta charnière centrale. Allez, Nico, tu gardes la main. Qu'est-ce que bah tu as là, envie bah... de, de dire à Lionel 69 Alors, Lyonnais 69, par rapport à, à la charnière centrale, on le sait après, parce que ça a communiqué. Euh, Marcelo est sorti à cause des crampes, donc mm -hmm. il fallait euh, changer poste pour poste à ce moment-là. C'est pour ça que tu étais rentré. Euh, effectivement, par rapport au choix de faire rentrer Touzard, c'est encore une fois essayer de subir encore un peu plus. Euh, c'est pas une. Pas en faisant, enfin, à mon sens, c'est pas en faisant rentrer Touzard qu'on qu cherche à avoir un peu plus de possession. On cherche à rentrer dans les duels, à gagner des duels défensifs, à apporter de la densité dans notre milieu de terrain, mais euh, un, peu, un peu plus d'impact. Mais ce n'est pas, pas, pas une valeur de conservation. On ne cherche, cherche pas un joueur qui nous fait jouer, qui va nous conserver le ballon et essayer d'aller de, essayer de, de, porter le danger dans le camp adverse. C'est plus euh, un choix pour subir malheureusement. Enfin, c'est ouais. à mon sens. Hein. Même si c'est compliqué pour, pour toi Armand, parce que comme tu disais tout à l'heure, avant l'émission, tu entraîneur, éducateur, formateur. Donc c'est difficile de juger un peu euh, les, les entraîneurs. Mais par rapport à ces choix, est-ce que tu peux comprendre qu'on a du mal à comprendre justement certains choix lors de cette rencontre, je parle précisément. Après, on pourra évoquer d'autres rencontres, mais lors de cette rencontre... Ouais, ouais, non, mais on... ouais, non, mais je comprends très bien la position, ce qu'on peut, hum. qu peut penser. Effectivement, c'est un choix qui donne un attrait plutôt défensif, à dire on va tenir le résultat, plutôt que de dire ça. on va essayer hum. de, de basculer. Voilà, c'est un choix que, qui est ressenti comme ça. Hum. Voilà. Mais après, on ne sait pas ce, que, ce qui s'est passé dans la tête de l'entraîneur, euh, ce qu'il a voulu faire c'est c'est le ressenti que nous on a en regardant sûr, le match comme ça mais bon c'est toujours pareil on est assis dans un fauteuil tranquille on est <laughs> devant une télé où on est, est au stade euh, c'est voilà différent on ne sait pas ce qui s'est passé la semaine etc donc euh, oui je vais quand même garder une grande réserve par rapport à l'entraîneur parce que <laughs> je vais respecter ça on aura l'occasion de façon d'évoquer on vous l'a dit tout à l'heure uh, Sid vous le voyez justement sur ces nouvel habillages uh, pour votre émission encore une fois 100% Olympique Lyonnais 0% langue de bois dg sur les réseaux sociaux uh, toujours on a l'appât malin Là, pas malin, hein, c'est un pseudo, hein, chacun a ses goûts, euh, <laughs> qui nous dit il a réussi à mettre en place un 3-5-2 qui a bien ennuyé Paris en quelques entraînements seulement. Après la blessure de Marcelo nous fait mal, mais évidemment, offensivement, on a, des comptes, des, on a tenté pardon, des contres sans réussite. On a progressé défensivement, mais l'animation offensive est limitée. C'est ce que disait Armand Garrido, tout simplement, en fait. C'est effectivement que défensivement, on voit euh, voilà, que ça, ça, on est plutôt rassuré du côté de l'Olympique encaisse moins de buts. Par contre, effectivement, manque, quand je dis ce que disait Armand Garrido, par rapport au brin de folie. Offensivement, mmh. on est frustré. Bah, tout à l'heure, on évoquait un petit peu Memphis. On sait qu'il est capable. On sait qu'il a, il l'a fait. Il mmh. l'a montré la saison. La saison passée, on a vu des, des matchs où il a été capable de basculer. Et hier, à aucun moment, on, on a senti qu'on pouvait, qu'il pouvait le faire. Donc, on, je pense qu'on a les moyens justement. On a les moyens d'y parvenir. Mais par contre, on a, hier, on l'a pas vu. On l'a pas ressenti. On l'a pas ressenti. Messieurs, je le disais, l'entraîneur Silvigno, allez, place au débat avec Silvigno. Petite virgule. <laughs> eh bien, oui. on on Nouveau parlez. sponsor, nouvel ver, <laughs> nouvelle virgule, nouvel habillage, c'est la totale, totale régal. Euh, on va parler de Silvigno, justement, total régal. Un jeu passé, basé pardon, sur la possession, un système en 4-3-3, afin de mettre Memphis dans les meilleures dispositions. Donc sur le papier, c'était séduisant. Deux premiers matchs, deux victoires. La dernière, d'ailleurs, la dernière victoire, c'est ce que j'avais noté, d'ailleurs, qui date depuis le 16 août, je crois. Donc du 16 août, la dernière victoire de l'Olympique lyonnais. Et finalement, sur le terrain, on est plutôt déçu par, par les prestations de cette équipe lyonnaise, Nico, dans le jeu. oui. Euh... Alors déjà pour commencer, euh, non non mais déjà pour commencer, c'est pas un magicien. Ouais. Euh, il peut pas révolutionner en un mois et demi de compétition et un mois de préparation, donc deux mois et demi qu'il est là, il peut pas changer ni la mentalité des joueurs, ni euh, trouver des automatismes euh, et, et faire un jeu aussi fluide qu'il pourrait qu'il pourrait le faire dans six mois. Donc déjà ça c'est la base. C'est pas un magicien, donc il ne peut pas tout révolutionner. Je trouve que euh, défensivement, il a essayé de mettre une, ass une assise euh, assez bien en place. C'est son côté défenseur. Mmh. Euh, je pense que c'est un défenseur de métier. Il avait comme, euh, comme objectif, lorsqu'il jouait, que l'équipe ne prenne pas de but. Mmh. Euh, c'est ce qu'il essaye d'inculquer aujourd'hui à l'Olympique lyonnais. Euh, voilà, moi, ce n'est pas ma philosophie. Donc aujourd'hui, oui, je trouve trop frileux. Euh, effectivement, quand euh, il met en place un 3-5-2 face au Paris Saint-Germain, je. je suis à... Voilà, je, je. Comment dire euh, je suis un peu en retrait parce que moi ma philosophie c'est d'avoir de, euh, des certitudes dans son jeu offensif D'imposer euh, des choses à l'adversaire par notre jeu, avec nos certitudes, avec nos circuits, nos circuits préférentiels avec, euh, euh, avec nos joueurs qui font des différences Et donc du coup c'est de, de, de perdre peut-être, mais de perdre avec ses armes et avec son identité Voilà ce que moi j'aimerais voir à l'Olympique Lyonnais Alors aujourd'hui c'est d'être un peu tôt, on en a un peu parlé avec Armand euh, au niveau du contexte Aujourd'hui, Sylvino, il a besoin de points parce que euh, ce qu'il essaye de mettre en place, ça prend un peu de temps. Et donc, euh, effectivement, euh, aujourd'hui, il va commencer à, à être dans l'urgence. Et euh, c'est pour ça qu'à mon, à mon avis, il a mis euh, euh, ce, ce système de jeu en place euh, face à Paris, au Paris Saint-Germain. Mais. C'est compliqué de mettre en place en 4 ou 5 jours un système qu'il n'a pas travaillé depuis le début de saison. Depuis le début de saison, il avait mis un 4-3-3 en place. Alors, il y a des choses à dire sur ce 4-3-3, mais voilà, je pense qu'en effet, il, est un peu, il, a une, il, a, il a une mentalité un peu frileuse, en tout cas en ce moment. C est, c est, son jeu n'est pas forcément basé sur la possession, mais, mais beaucoup sur l'aspect la, défensif. C'est c'est le thème de, de, ce, de, ce, de ce débat Est-il frileux, Vigneault, Armand bah je, pense sur beaucoup, enfin je pense aussi qu'il est un peu à tâton parce qu'il découvre beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, il découvre le championnat européen. Euh, il découvre aussi les équipes. Hier, je pense sur le terrain, on a quand même, sur le papier, on a les deux équipes, les, les, les deux meilleures équipes françaises, logiquement. Et, euh, et, et on en a surtout vu une. On n'a pas trop vu l'autre. Donc, euh, oui, effectivement, sur ce qu'on a vu hier. T'as pas l'impression que Lyon, à un moment donné, peut avoir à montrer son football. Mmh. On n'a pas l'habitude de voir ce. Mais après, c'est un système qui... qui est en train de. qui sont en train de découvrir, qui sont en train de mettre en place. Peut-être laisser un petit peu de temps, ça peut. Ça, ça, voilà, je, il faut montrer un peu de patience aussi. On ne va pas tout le fusiller ou ah, le voilà. foutre en l'air maintenant. J'ai euh, euh, envie, <laughs> envie de dire à Raymond Demédek, que moi j'ai pas de bazooka personnellement. <laughs> voilà. j ai, j ai, non, voilà. mais je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. On, a, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette identité lyonnaise que laquelle qu on, on a eu l'habitude de voir dans le jeu. Voilà. Aujourd'hui, on est parti sur autre chose. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était euh, désagréable à regarder parce mmh. que j'ai cherché l'intérêt euh, du, du jeu. Mmh. Mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. On est habitué à peut-être un petit peu plus de folie. Et lui, il amène un peu plus de rigueur. Mais encore ça. une fois, je pense qu'il a encore un tâton. Il cherche beaucoup de choses. Avec, ce, avec cet effectif-là, il faut, il, faut, il faut jouer dans quel système Est-ce qu'il y a un système Ce système peut fonctionner. Oui. Le 4-3-3 peut fonctionner. Mais le 4-3-3, c'est pour ça que je te parlais de, de côté un peu frileux. Mmh. C'est que dans son, dans, dans son 4-3-3, on joue avec Dembélé en pointe qui est un joueur de surface où il faut apporter le ballon dans la surface exact. donc par des centres. À part que dans le schéma de Selvigno, les latéraux ne montent pas et nos deux ailiers rentrent tout le temps à l'intérieur. Donc on met on, on il y avait une stat qui est sortie, enfin que j'ai lu, 5 centres réussis cette année à l'Olympique lyonnais. Euh, quand on a un attaquant comme, comme Dembélé qui marque des buts de la tête et qui, 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 qui est présent dans la surface, c'est pas suffisant. Donc euh, soit on donc aujourd'hui il a bridé un peu ses latéraux, c'est dommage pour moi, je pense qu'ils peuvent nous apporter quelque ah. chose à condition de garder l'équilibre défensif. Très intéressant Nico, je me permets de te couper parce que c'est ce que c'est, il a bridé ses latéraux, c'est les joueurs qui n'osent pas monter et qui veulent trop respecter justement. Parce qu'effectivement ouais. il y a des consignes, bah, mais il a... à eux aussi de... c'est toujours la, la question de l'animation, non Armand hum. Qu'est-ce que tu en penses oui. Il y a la question de la... Alors moi, je ne sais pas s'il si les a bridés. Euh, je, je... Non, je non, mais... Quand je dis bridés, c'est par, je... par rapport aux conférences de presse. C'est par rapport aux conférences de presse que j'entends. Oui. Après, après, en tant qu'entraîneur, si oui. Tu n'as pas, pas envie de, de retenir tes joueurs s'ils sont capables d'apporter quelque chose. Mais je pense qu'hier, dans le contexte qu'il y a eu, à, à aucun moment, j'ai senti, et l'entraîneur et les joueurs, avoir envie de prendre le risque de se découvrir parce qu'ils voulaient pas prendre le but oui. Et c est, c est sûr. enfin moi j'ai trouvé que c'était dans ce domaine-là que surtout que ça a pêché c'est que alors frileux si, peut-être je sais pas c'est c'est peut-être l'expression qui va avec mais c'est vrai que les, les joueurs et l'entraîneur on ils ont pas mis le feu au stade comme on a pu le voir voilà et même le, au niveau du public, on n'a pas senti non, des moments où voler, où ça devait s'envoler. Ouais. Mais ça, c'est les joueurs qui doivent l'apporter. la porter. Mais cool. Hier, tout le monde était bien rangé, tout est, était, tout tout était bien carré, en place. Ouais. Voilà, c'est voilà. bien... ce que j'ai ressenti. Après, c'est pour ça que je pense qu'il faut lui laisser du temps parce qu'aujourd'hui, il a apporté une rigueur et ça, c'est plutôt bien. Mais mais c'est indispensable. Un, il, il le fallait. Mais le foot demande aussi des dépassements de fonction pour, pour créer des décalages pour apporter casser des lignes et, apporter, et faire des différences. donc ce dépassement de fonction aujourd'hui on ne l'a pas souvent trop peu souvent. C'est ce qui manque aujourd'hui pour faire ces grandes embardées, pour apporter de la folie, pour apporter du jeu. Euh, il faut ce dépassement de fonction. Un latéral qui doit, même, même s'il a la consigne de ne pas monter, si le jeu demande qu'il monte, il faut qu'il monte. Pour ça à un moment fait. donné, il faut aussi respecter le foot mmh. et respecter le jeu. Et à ce moment-là, on, 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 verra, on, on verra un jeu beaucoup plus fluide et flamboyant. Mais aujourd'hui, il a apporté de la rigueur. Et euh, bah après, on sait aussi, on sait aussi ce qu'on lui demandait. Donc, euh, il règle les choses étape après étape. C'est pour ça qu'on euh, ne peut pas juger sur six matchs. Il faut, il faut, il faut attendre encore un peu. Il y a des choses à régler, il y a des choses à améliorer, je, je pense que ils ont mis le doigt dessus mais ça viendra avec le temps. Justement, on a Rémi toujours hashtag #tkydg qui nous dit qui nous parle justement Rémi de, de la patience. Il va falloir être encore un peu patient, c'est normal et pour ma part, je lui fais confiance parce qu'effectivement, on voit certains supporters qui commencent à douter, à s'interroger parce que sur le papier, c'est vrai que c'était séduisant. Juninho, Silvino, les déclarations de Juninho, ambitieux, du jeu, etc. et finalement on constate encore une fois ces problématiques-là de jeu. Tu parles des latéraux, effectivement, on a vu beaucoup de, de, de supporters qui ne comprennent pas en disant Mais qu'est-ce qui se passe en fait On ne reconnaît plus notre équipe. Et, puis Et... qui toujours dans l'axe. On ne reconnaît plus notre équipe quelque part, voilà, exactement. Oui, mais bon, on est peut-être aussi dans les fondations. On ah, est en train de préparer son équipe il est parti du bas. Il faut avoir une, 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 une base solide pour pouvoir construire derrière. Euh, voilà, donc euh, oui, effectivement, aujourd'hui, on, on sent que ça s'améliore dans le domaine de la rigueur, de l'organisation, de la mise en place, des choses. Euh, il faut laisser peut-être un petit peu de temps pour lui permettre d'améliorer de, 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 tout ça. Et ça voilà. Il faut manquer quelques temps encore. C'est trop tôt. Ouais, c'est trop tôt, je suis d'accord. Après, le seul qui a vraiment le totem d'immunité, c'est Juni. Mm -hmm. euh, Silvigno, aujourd'hui, c'est oh, bah, ouais. euh, entre guillemets une pièce rapportée par rapport à Juni. Juni, c'est l'icône absolue, donc euh, lui, il aura du temps, vraiment. Même si on voit qu'il pourrait peut-être communiquer un peu plus ou être un peu plus sur le devant de la scène. Aujourd'hui, c'est Sylvino qui est en point de mire et c'est lui qu'on juge parce que c'est ses choix, c'est lui l'entraîneur. c'est intéressant parce que justement, Sylvino qui ne, qui ne parle pas français encore, donc a du mal à s'exprimer, etc., à faire passer les messages, entre guillemets, à communiquer avec ses joueurs mais aussi avec l'environnement extérieur. Un Jean-Michel Olas qui a pris du recul sur la scène médiatique et il y a cette absence de Giugno. Est-ce que Giugno, justement, en tant que directeur sportif, on le voit au Paris Saint-Germain avec Leonardo est-ce que Giulio ne devrait pas justement s'exprimer davantage dans les médias pour faire passer certains messages à Armand Ou tu estimes que ce n'est pas nécessaire, que ce n'est pas vraiment ce qu'on attend de lui Moi je trouve que oui, mais après tu as le droit de ne pas oui, te demander d'être d'accord. Dumino, hein. il a une, une, une image qui est énorme euh, sur Lyon, c'est phénoménal. Donc. Euh, pour le moment, il est peut-être sur la réserve parce oui. qu'il veut laisser les choses se mettre en place. Peut-être que lui aussi, il est, il, il découvre quelque chose aussi oui. du Nino. Il, il apprend son métier, oui. Il apprend aussi. Donc, euh, il, y a, il y a plein de choses qui sont, je, je sais pas, s'il oui. devrait se mettre un peu plus en avant, c'est peut-être aussi, c'est peut-être pas son rôle encore aujourd'hui de se mettre un peu plus en avant. Euh, voilà, il faut peut-être, il laisse peut-être faire aussi Sylvino pour, voilà, mais on ne sait pas mmh. ce qu'il fait par derrière, hein. peut-être qu'il il a une grosse présence dans le vestiaire, il a peut-être une grosse présence à côté, Moi, je, ça je ne sais pas, hein. mais peut-être que médiatiquement, non, il ne s'expose pas encore par rapport en fait, à ça. En fait, ça me fait penser un peu à, euh, au cas Yuan Gourcuff. Yohann euh, Gourcuff ne communiquait pas et il laissait place au doute à plein de doutes, à plein de spéculations et à l'imaginaire commun. Et là, Juni, euh, parce que voilà, j'ai ouï dire qu'il faisait pas mal de choses en interne, il y a des choses qui agaçaient, mais et aujourd'hui il ne communique pas par rapport à ça. Donc c'est peut-être ça aussi, qui... c'est peut-être aussi parce que toi, tu, tu sais aussi qu'il se passe des choses en interne, et euh, ce n'est pas à nous de le dire, donc c'est donc, donc plutôt à eux, mais c'est pour ça. Ce manque de communication laisse place à toutes les supputations, et c'est ça qui est dommage. Sauf qu'on l'a bien vu, alors ça tu as raison, mais on l'a bien vu lorsque Juni New a fait des déclarations Quand sur les cartousards, oui mais les gens ça les a dérangés. C'était tabou. Il fallait pas dire, il fallait pas le dire. Il, fa... il, 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 il était obligé de s'excuser. Ouais. Voilà. Alors après, ça donne beaucoup de pouvoir aux joueurs, alors que voilà. normalement c'est l'institution et ça part de son président, son directeur sportif et son coach. Ça c'est le football moderne. Il faut il faut s'adapter aussi. Mais euh, mais mais effectivement, si Juninho tape du poing sur, alors il s'est excusé parce qu'il a voulu le faire parce qu'il avait besoin de récupérer Lucas Touzard. Mmh. Maintenant, si Juninho il tape du poing sur la table, à un moment donné, s'il y a un choix fait entre euh, Juninho et un autre. En tout cas, à l'heure actuelle, ce sera Zunino qui sortira vainqueur. Zunino, à l'issue de la rencontre justement, cette défaite contre le Paris Saint-Germain, a évoqué la mentalité. Et régulièrement, il évoque ouais, la il mentalité, mental. la jeunesse aussi de cet équipe. Il faut de la patience. Ce sont des fausses excuses. Il a raison de le dire, Armand. Bon, je pense qu'il a raison de dire ce qu'il qu pense. Vérité, c est c est je pense que s'il a une vérité à mettre en avant, il faut. C'est bien qu'il le dise. Ça sert à rien de, de cacher les choses. Ouais, mais la mentalité, la jeunesse, que c'est pas. Alors, la, la mentalité, je suis d'accord avec lui. Ouais. Alors, c'est pas, je vais encore me faire tailler de vieux soldats, mais peut-être c'est pas un problème. Mais la mentalité, effectivement, elle est pas, elle est pas bonne pour moi. Mais ça, on l'a déjà dit. Euh... Par, par rapport à la jeunesse, on reprenait Bruno Genesio quand il le disait, donc je vois pas pourquoi lui, il se cacherait derrière aussi la jeunesse. Euh, la jeunesse, on l'avait avant, on l'a aujourd'hui. Euh, Corneille disait aux âmes, aux âmes bien nées, le, le, le talent n'attend pas le nombre des années. Donc un joueur, quand il est bon, il est bon, qu'il soit jeune, qu'il soit avec de l'expérience ou sans expérience. S'il est bon, il jouera, il fera des différences. Jeff René, René Adelaide, fait des différences, il est jeune, euh, parce que, parce que euh, il se pose pas de questions, il joue il n'a pas derrière pensé on en parlera après mais voilà il y en a d'autres qui ont perdu cette fraîcheur là en fait c'est dommage parce qu'un footballeur il arrive dans le monde pro il va faire des choses simples et il va faire il va respecter le jeu et plus il va prendre de l'assurance et du coup de l'expérience et il va être à l'aise sur un terrain et plus il va se permettre des choses où il va moins faire d'efforts ou voilà et il va se perdre un petit peu c'est cette chose là pardon qui qui enquiquine le footballeur professionnel c'est quand on perd notre fraîcheur. Après, on commence à être dans les calculs et c'est compliqué de faire une, enfin, de 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 rester soi-même. Dernier tweet justement sur le thème Silvino, c'est MDT qui nous dit j'ai toujours une tolérance pour les nouveaux. Je pense qu'il faut laisser une saison à Silvino pour construire son équipe, du temps à certains joueurs comme Andersen pour s'adapter. Les Traoré, Marcelo n'ont pas pu, n'ont pas su s'imposer depuis plusieurs années. Ils doivent partir. Bon moi ça c'est cash c'est clair. Mais on est toujours sur les réseaux sociaux, c'est soit blanc soit noir, il n'y a jamais de nuance, c'est dommage. Mais en même temps. Mais c'est pas faux, j'ai pas dit que c'était faux, mais il n'y a pas de nuances. Est-ce qu'à un moment donné justement ils n'ont pas été au bout de leur, leur, leur logique. Le renouveau, entre guillemets, peut-être laisser repartir plus de joueurs, recruter davantage. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de subir ça, en fait, justement Non, mais je pense, pense qu'ils qu n'ont pas été au bout de leur choix totalement, ouais. parce qu'il y avait des choses qui avaient été mises en place. Ça. Flo Maurice avait commencé à travailler euh, avec Bruno et l'équipe avant. Euh, donc il y, y, y a forcément un héritage. Mm. Comme, comme Bruno Genesio avait l'héritage d'Hubert Fournier, euh, Silvigno a l'héritage de Bruno Genesio et le suivant aura l'héritage de Silvigno. Mm. Donc quoi qu'il arrive, il faut travailler sur ces fondations-là, tout en les changeant et en les modifiant, comme l'a très bien dit Armand, travailler la colonne vertébrale et, et la fondation. Mais euh, du coup, pour ça, il faut un peu de temps. Euh, ils ont, ils ont, pour moi, ils n'ont pas été au bout de leur logique parce que je pense qu'il y, y a certains joueurs qui voulaient faire partir et qu'ils n'ont ils ont, ils ont pas réussi. Aujourd'hui, pour moi, Memphis de Pay est un caillou dans la chaussure de l'Olympique lyonnais. Euh, on essaie de s'adapter, de lui trouver le bon positionnement. Quand il joue sur le côté, il n'est pas content. Quand il joue dans l'axe, il n'est pas performant alors qu'il veut jouer dans l'axe. Il est performant avec la Hollande, mais il n'est pas performant avec l'OL. Quel levier il faut activer pour que ce joueur soit performant enfin, Aujourd'hui, euh, ça doit être le joueur qui fait des différences à l'OL. Et le seul qui fait des différences à l'OL aujourd'hui, pour moi, c'est Anthony Lopez. Heureusement, on l'a valorisé, on l'a revalorisé, on l'a refait signer, et c'est une bonne chose. Et voilà. Mais en tout, contrairement à d'autres, on ne revendique pas. Comme, on, messieurs, on aime le football, on va parler d'un joueur qui pue le football. Oussamawar. Oussamawar, ouais. justement, qui, après le départ de Nabil Fekir, a avait l'occasion, ou à l'occasion, on va dire, à l'occasion de prendre la relève un petit peu, justement, et un Oussamawar un peu mi figue mi-raisin. On va dire ça comme ça, Nico oui, par régulier. Ou c'est sévère Par régulier, et non. Bah, bah, pff, mi -mi il, on a connu Meilleur, il a fait un bon début de saison pour moi euh, et puis c'est un peu éteint. Donc euh, voilà, l'irrégularité c'est dommage. Il est jeune par contre. Là pour le coup, j'en parlais tout à l'heure, c'est un très très bon joueur. Il, c'est voilà, il, il un très bon joueur. C'est enfin, un bon joueur qui est jeune. Armand est mieux placé que moi pour en parler. Ben il l'a eu, il l'a formé. Justement, moi, Nico. Moi, j'attends beaucoup plus d'Oussem Aouar parce que je sais qu'il a du talent. Et pour moi, il joue toujours sur le même rythme, euh, en ce moment en tout cas. Alors qu'il pourrait, par sa qualité technique, faire beaucoup plus de différence. Euh, je le sens cramé au bout de 15 ou 20 minutes en fait. Donc, est-ce que c'est un problème physique Est-ce que c'est un problème mental enfin, question, voilà. Je... Aouar, c'est quoi le problème Armand Garrido <laughs> Armand, tu le connais, Oussem Non, mais oui, je le connais. Oui, je <laughs> Bien, donc je bien je l'ai eu pendant deux ans. C'est un, un, un joueur qui, qui me plaît beaucoup. Est, mais est-ce qu'on n'attend pas trop de lui euh, si, si tôt est, il est dans un rôle à responsabilité. Pour un jeune joueur, c'est pas facile, surtout quand tu es dans, dans un match comme hier. Il y a un moment donné, il faut, faut prendre les responsabilités, tu as, t as une, adversité, une adversité de qualité en face, etc. Alors c'est vrai qu'il qu a fait un bon départ. Alors moi j'ai pas tout vu au départ pour des raisons personnelles, mais je, je sais qu'il a fait un bon départ et que bah là il a, il, a, il a, on, le, on sent qu'il y a une baisse de régime. Mais cette baisse de régime, elle vient aussi peut-être quand sur ce qu'on a vu hier. Tu peux pas le trouver en confiance en fin de compte. Tu l'as, tu l'as pas en confiance. Tu sens bien qu'il est pas en confiance, qu'il n'est pas à l'aise. Bah, alors peut-être que la charge des responsabilités ce qu'on attend de lui aujourd'hui. Il est peut-être pas encore prêt pour le faire, même avec toute sa qualité, tous, tout, tout les moyens qu'il a. Les, il peut pas être patron du milieu de terrain, c'est trop tôt encore. Ben, J'ai envie de rebondir sur tes propos, Armand, parce que justement, et donner la parole à, à Nico Putebois, Oussem Award avait déclaré justement qu'il souhaitait avoir des responsabilités. Oui, mais entre, entre ce qu'on dit et ce qu'on est capable de faire, il euh, y, y a toujours un monde. Euh, moi, je trouve que c'est bien de prendre cette initiative-là, de clamer au effort. Mais déjà, à, à l'époque, j'avais dit que c'était peut-être trop tôt pour affirmer ce genre de choses. Parce qu'après, quand tu fais ce genre de déclaration, il faut assumer. Alors, je pense qu'il a les qualités pour l'assumer. Euh, mais en fait, il vaut mieux avoir, euh, comment dire, c'est par sécurité, c'est par l expérience là que je parle, il vaut mieux euh, avoir les performances et faire la déclaration que, que d'être vraiment ambitieux et de faire la déclaration et ensuite pas assumer ses propos, c'est dommage, parce que du coup, il, voilà, il perd un peu en crédibilité, mais, mais il a la, en tout cas, il a la légitimité pour pouvoir le faire par ses qualités propres, intrinsèques, euh, maintenant, effectivement, comme l'a dit Armand on Donne les clés d'un gros camion d'une Ferrari à un jeune joueur, il faut qu'il apprenne à la conduire et euh, ça, ça s'apprend avec l'expérience. Et euh, euh, bon, après, je sais qu'il est très mo son, son modèle, c'est un peu Memphis en ce moment. Il suis pas mal Memphis, je sais pas si c'est le bon <rire> modèle. <rire> Votre tweet, en direct, en direct TKYDG, c'est Victor2303 qui nous dit qu il sort d'un euro espoir catastrophique déjà pour commencer. Après, il est doté d'une forte. Balle au pied. Sur ceci, on est tous d'accord. Mais son jeu, son ballon est catastrophique. Il ne court jamais pour aider à la récupération du ballon et pénalise l'équipe à chaque fois. Nico a envie de rebondir. Oui, j'ai envie de rebondir parce que du coup, il dit quelque chose de juste. Au-delà du fait que l'Euro le, espoir était catastrophique, il a fait l'Euro espoir. Donc en fait, euh, là, c'est comme s'il enchaînait deux saisons d'affilée, sans, sans vacances, sans repos, sans rien, sans, pré sans vraie préparation physique. Donc euh, je, euh, c'est une, bah, une donnée à prendre en compte sur le fait qu'on puisse le sentir cramé, parce qu'effectivement. Ça demande euh, d'être très performant au milieu de terrain, ça demande beaucoup d'énergie, euh, une force athlétique euh, et aérobie euh, au-dessus de, au de la moyenne. Et quand tu es fatigué, tu es fatigué et ça se ressent. Et donc, du coup, tu fais moins les efforts, tu fais moins les courses, tu es moins lucide au moment des passes. Donc, le jeu, tu l'éclaires moins. C'est une donnée vraiment à prendre en compte. C'est que cette année, Oussemawar enchaîne deux saisons d'affilée sans vraie préparation physique. Euh, il va peut-être falloir laisser se reposer. Dans quel domaine doit-il progresser, justement, Oussemawar, selon toi, Armand je pense que j'ai l'expérience qui va lui apporter le reste, hein, parce que sur la qualité technique, il a tout ce qu'il faut. Il a, il a une aisance, il est élégant dans son jeu. C'est quelqu'un qui, bon, moi je l'ai connu quand il était <rire> jeune. <rire> Franchement, aujourd'hui, même aujourd'hui, j'arrive à trouver qu'il fait des efforts sur le plan défensif que ah, je ne voyais pas... On voyait... avec, euh, non, pas je ne suis pas d'accord. Si ouais. Peut-être sur ce qu'on a vu dernièrement, oui, la, fait, la ouais. fatigue fait qu'il en sûr. fait moins, mais euh, la saison dernière, on l'a vu faire quand même des efforts sur le plan défensif. Il n'a peut-être pas les moyens aujourd'hui de d'assumer ça. Mais je, je ouais, c'est un, un garçon qui est complet dans, dans beaucoup de choses. Peut-être effectivement sur les enchaînements, ça va très vite, mais après c'est peut-être sa vitesse de course oui. qui va être améliorée, de la puissance peut-être à prendre, des choses comme ça. Mais je pense qu'avec le temps, avec la maturité, avec l'expérience, avec le jeu, il va, il, va, il va mûrir et puis il va être capable de, de, de répondre aux attentes que vont avoir les, les, les entraîneurs ou, ou les clubs en, dans une équipe. Quoi. Maintenant, ah je vous encore une fois, on est toujours en train de dire, il faut de la patience, il faut de la patience. Je sais que tout le monde est pressé, <laughs> tout le monde veut que ça marche tout, tout de suite. Mais j'ai encore envie de dire, euh, laissons-lui un petit peu de temps. Voilà. Et puis, il y a effectivement ce, ce truc là, c'est que quand il y a un moment donné, quand tu, tu satures, tu satures, ça, tu, tu peux pas, tu peux pas. Quoi. Les gens ne ben, arrivent plus à suivre. Ouais, et là, ça devient peut-être compliqué pour lui. Pas, je ne cherche pas des excuses, hein, oui, mais moi je connais très bien Oussem. Oui. C'est un garçon qui, qui a beaucoup d'ambition, qui, qui a vraiment envie de faire quelque il chose. Qui a, il a une bonne mentalité. C'est un garçon qui a une très bonne mentalité, il n'y a pas de souci. Voilà, il veut faire beaucoup de choses, et peut-être parfois un peu trop. Peut-être qu'il veut trop en faire, qu'il a, a beaucoup d'ambition, il a envie de réussir des choses, il est volontaire. Voilà. Mais après, quand on veut assumer tout ça, c'est beaucoup de choses pour son âge encore. Voilà. On, 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 on l'a vu l'année dernière il respecte le jeu, il respecte ses partenaires euh, vraiment, quand il se projette vers l'avant il casse des lignes, quand il se projette vers l'avant il, il est souvent dans la surface de réparation et, et, et l'année dernière il a été quelques fois à la finition, mais pour ça il faut être prêt euh, physiquement et athlétiquement et aujourd'hui je pense que c'est là mmh. où peut-être le bas blesse, c'est que justement pour être lucide et apporter tout euh, euh, toutes ces solutions, aujourd'hui il n'est pas, pas prêt physiquement pour pouvoir le, pour, pour apporter ça à l'OL est... à... je, je, je voulais dire simplement qu'il a une qualité de passe mmh. qu'on lui retrouve pas aujourd'hui ouais, parce que la saison passée on l'a vu faire des passes lumineuses pour mmh. ses partenaires dans des espaces pas possibles ou d'aller glisser un ballon dans la cage, dans, de le placer. Aujourd'hui il, il a effectivement plus cette, il a pas cette lucidité et cette aisance pour le faire. Mmh. Donc il y a quelque chose qui bloque physique, mental, euh, euh, peut-être une charge trop lourde, je sais pas. Il y a quelque chose qui le bloque. Mais le jour on, on, on finira par être content de lui. Oui, quand il va se <laughs> libérer de ça, de bah, toute façon, on le sait que c'est un maillon, un maillon important de l'OL. Quand il va se libérer de cette charge, ou quand il aura trouvé la solution, il redeviendra le, le Oussama qu'on attend. Encore un tweet, le dernier sur, sur Oussama War, c'est Rami. Euh, il semble cramé physiquement, c'est ce que tu, on disait, tu disais à Nico, comme beaucoup de joueurs de l'équipe, mais lui encore plus, prépa physique trop lourde, bah, voilà, c'est ce qu'on a un peu évoqué. Ouais, ça, il n'a euh, il pas, il, il pas eu de prépa <laughs> Il est rentré tard. Ouais. Exactement, <laughs> on a répondu. On va parler d'un sacré bonhomme. J'ai dit bien dit, un sacré bonhomme. Dit, ah. dit, il s'appelle. Armand ah. Garrido. Eh oui, messieurs, dames. 30 ans passé à l'Olympique lyonnais. Éducateur, formateur, en fait, as tout fait, Armand. Entraîneur. Bon, bref. Qu'est-ce que tu que Recruteur. Recruteur aussi. <laughs> J'ai oublié recruteur, effectivement. J ai, j ai fait même un recruteur. De alors, alors, par, la choses, un par la force des choses. Par la force des choses. Qu'est-ce que tu as préféré, d'ailleurs, tiens dans... ah Non, traîneur, entraîneur. Entraîneur, c'est vraiment. Recruteur. Le... Ouais. Un recruteur, c'est un, un métier à part. C'est. Tu es toujours tout seul et je n'ai pas l'habitude de, de travailler tout seul. Donc, tu toujours travailler en équipe, sur des groupes. Et là, c'est vrai que recruteur, je l'ai fait parce que c'est intéressant aussi. Hein. On découvre des choses, on voit, on voit, on voit un, un autre monde. Mmh. Euh, c'est autre chose, voilà. Mais euh, ça n'a rien à voir avec entraîneur. C'est un autre métier, ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas mon métier. Alors, justement, Nico, euh, on l'a dit tout à l'heure, tu as souhaité que ce soit Armand qui soit parti passer la première émission. Qu'est-ce que tu as envie de dire en plus, c'est insensible, hein, Nico. Hein. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur Armand Garrido, justement Qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce personnage ah, bah Moi, déjà, j'ai envie de lui dire merci. Euh, merci, déjà, pour moi pour ce qu'il m'a apporté, euh, pour le fait qu'il m'ait fait passer un cap à un moment donné. Moi, j'ai eu la chance de faire trois ans avec Armand, parce que c'était l'année où ils ont, avant le foot, enfin le foot, c'était euh, fin, fin d'année, début d'année, qui étaient regroupés, et puis après, ils sont passés aux années civiles. Donc euh, moi, j'ai connu ce, ce changement-là, et j'ai eu la chance du coup de faire trois ans avec Armand. Euh, il m'a donné confiance en moi, dans mes capacités. Euh, il m'a aussi appris qu'on apprenait de ses erreurs, et qu'il voilà, y, avait, y avait des moments où on pouvait faire des erreurs à condition de ne pas les refaire. Voilà. Il a toujours été juste. Il a toujours été dur mais juste. Et donc je sais même pas si c'était dur du coup. En fait c'était juste simplement. Euh, je suis... Et puis voilà. Merci pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai été. Je pense que je suis devenu professionnel en partie euh, grâce à lui. Il y a eu d'autres éducateurs aussi que j'oublie pas. Mais en tout cas il y a toujours un avant et un après un Mangarido. Euh, je suis pas le seul à le dire. Et donc merci pour ce qu'il a fait pour moi et merci pour ce qu'il a fait à l'OL parce que si tous les euh, grands joueurs aujourd'hui en parlent. Euh, moi aujourd'hui, je suis un petit maillon, un petit joueur de l'Olympique lyonnais, mais quand on entend parler des euh, champions d'Europe comme Karim Benzema ou des champions du monde comme Samuel Mtiti, ben voilà, c'est une très belle reconnaissance qui mérite et euh, voilà, je le remercie pour ça. On a Bravo. été surpris justement, Armand, par ces joueurs. On a vu vraiment, dès que on a eu l'annonce de, la, de, la, de ta retraite, on a vu vraiment, encore une fois, Samuel Mtiti, il a raison, d'autres joueurs, même Oussem, on parlait d'Oussem, oui. de nombreux joueurs. Qui t'ont témoigné de la sympathie, qui t'ont remercié, qui ont tenu à te remercier dans un milieu, un milieu du football assez ingrat. J'ai été vraiment, moi, je le dis, hein, très surpris, même si on se connaît un petit peu, mais je me suis dit quand même, j'ai été surpris de me dire voilà, ces joueurs ont, ont la reconnaissance du ventre et ne t'ont pas oublié. Comment tu, comment tu. Ah, bah écoute, tu as vécu ça, tout ça. J'ai vécu des moments difficiles devant le téléphone. <rire> <rire> non, mais euh, j'étais agréablement surpris, mais. Euh ouais j'étais très 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 ouais, j'étais agréablement surpris je m'attendais pas à ça non plus et euh, si tu veux c'est euh en fait, un, il y a quelque chose, c'est un petit peu injuste, parce que de la formation, c'est pas de c'est toute une, une équipe qui travaille euh, avant, il y a... avant, avant, avant les, les 16-17 ans, il y a après les 16-17 ans, il y a beaucoup de gens, voilà. Mais c'est vrai qu'il parle beaucoup de ce passage avec moi, parce mmh. que je ne je, bah, je, je l'aurais pas fait de cadeau et peut-être que ça a dû les marquer, et que cette époque reste pour eux une, une époque un peu... Euh, tu sais, c'est un petit peu... <laughs> je vais faire une comparaison. Par exemple, un petit peu bidon, mais c'est comme quand on allait à l'armée. C'est une période <laughs> qu'on n'oubliait pas. Et peut-être, et peut-être, les deux ans, l'année ou les deux années qui passaient avec moi, les a martiés et, et que, bah, voilà, ça les a aidés. Voilà. Tu sais. C'est vrai que j'étais très touché quand même. Euh, C'était vu devant le nombre qu'il y a eu de réactions, j'étais tout très touché. Alors, en fait, il nous apprenait euh, la rigueur et la discipline que doit avoir un sportif. Professionnel. Et, euh, et, ça, et ça, on ne l'apprend pas parce qu'on est dans l'adolescence. Donc, euh, on est en pleine crise d'adolescence avec les parents, avec ci, avec ça. Et, euh, et là, on n'avait pas le choix que de respecter ce qu'ils nous disaient. Parce qu'en fait, que tu sois le meilleur joueur de l'équipe mmh. ou pas, si tu ne faisais pas les mêmes efforts que les autres, tu ne jouais pas. Voilà. Euh, donc, voilà. Et puis, en fait, tout le monde se souvient d'Armand. De, de, il euh, y avait les séances de foncier où il fallait pas, fallait ne pas, fallait, pas, fallait, pas fallait pas couper le plot. Euh, moi, je m'en sers aujourd'hui dans mes équipes. Alors aujourd'hui, j'entraîne une équipe de R3, c'est pas le plus haut niveau, mais en tout cas aujourd'hui, je leur dis que le, le nombre de séances qu'on a fait, contrôle passe, contrôle passe, contrôle passe, contrôle passe. Si on devient si performant, c'est aussi parce que il y a de la rigueur, il y a de la discipline et on fait des gammes, un peu comme le pianiste, un peu tout le temps. Voilà. Et ben ça c'est c'est ce que nous apporte Armand. Au-delà du fait de nous apprendre à bien jouer au football, de nous apporter une, une mentalité aussi, parce que c'était un gagnant, un compétiteur. Il a gagné, on l'a pas dit, mais il a gagné de nombreux titres avec avec les avec les, les, les moins de 17. La dernière coupe Gambardella, c'est lui. Euh, voilà, ça remonte du coup. Mais euh, voilà, c'est tout. tout ce... voilà, devenir compétiteur. Voilà. Si je devais résumer, Armand, c'est la rigueur, la discipline, la justice et la, et la compétition. Question difficile, Armand, mais le joueur le plus doué <laughs> Pas non. moi. <laughs> non, le, alors, c'est une question très difficile parce qu'il y a beaucoup de choses dont on ne peut pas parler. Le, le joueur le, le plus étonnant, c'est. Effectivement, Atem Benarfa, c'est le joueur qui m'a le, le sur la qualité technique c'était un truc de fou quoi à la vie à l'âge à 15 ans s'il était capable de faire à la vitesse où il le, le faisait euh, bon on n'était jamais dans le bon sens avec lui <laughs> quand moi j'aimais bien me mettre dans le cœur du jeu j'aimais bien entraîner en me mettant dans le terrain euh, quand je partais à droite je me le payais chaque fois parce que je ne savais jamais où il allait et lui ça allait trop vite donc non franchement au niveau de qualité après le joueur Karim Benzema était joueur qui été très étonnant Samuel Umtiti, pour autre chose. Mais tous les joueurs, tous les joueurs, genre, on leur trouve quelque chose. À tous les joueurs. Mais c'est vrai qu'Atem Ben Afa, c'est peut-être celui, quand je l'ai vu la première fois, suis dit, mais c'est quoi C'est pas possible. C'est quoi ce joueur bon, il, va, il va tout exploser, il va tout chasser. Et bon, il fait... Il et, il a, fait. Et, et il y a Karim Benzema, qui est de la même génération, exact. dans la même équipe. La même équipe à et je peux te dire qu'il y avait même Anthony Mounier, oui. Loïc Rémy, oui. Julien Foussurier et le gardien de bus, c'était euh, Rémi Rieu. Exact. Donc, tu vois, c'est une génération un bon peu livre. exceptionnelle, <laughs> avec des joueurs exceptionnels et d'autres joueurs autour, hein, qui, bien sûr. Mais bon, pour te dire quand même, la, la qualité de ce groupe, c'était étonnant. Et, et je me souviens, petite anecdote comme ça, au passage, pour simplement bah, confirmer un petit peu les dires de. De, de Nico, je, je gardais Karim Benzema en fin de séance d'entraînement pour lui faire faire du travail devant le but. Et je gardais euh, toujours un gardien de but et deux joueurs qui l'alimentaient en ballon. Et quand on arrivait à la fin de la séance, je demandais aux deux joueurs de, qui étaient sur le terrain, je leur disais bon, vous pouvez y aller, et, euh, et au gardien, je leur disais vous pouvez rentrer. Et Karim, on regardait, il me le coach les ballons. Et je dis bah si les ballons, <laughs> c'est toi qui vas les ramener parce que eux ils ont travaillé pour toi et il rentrait avec les deux sacs de ballon et quand les joueurs, les autres qui étaient rentrés, qui avaient pris la douche sortaient du vestiaire ils disaient, bon sang, s'il si lui fait ça à lui qu'est-ce que nous, il va nous faire faire donc voilà, ouais, il y a eu cette marque de respect et, et même Karim aujourd'hui quand il en parle encore il, euh, il, 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 ça l'avait pas choqué, ça l'avait pas marché c'était simplement euh, une égalité dans le groupe euh, avec tous les joueurs et, et tu, même Atem Ménarfaut, ben pour moi, il m'éblouissait. Il l a fait du banc. Il a fait du banc. Je peux vous dire, tu piétinais à côté. Hein, c'était que quelque chose. Celui de lui faire faire du banc, c'était <laughs> une performance. Hein. Et ben, il a fait du banc. Et, et ça voilà. lui a servi Et ça lui a servi un joueur doué, mais qui n'a pas fait carrière. -ce que tu as si, il fait carrière. Non, 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 fait... non, non tu ne parle pas d'Athem. Excuse-moi. Ah, pardon. Voilà. Un joueur doué. C'est moi qui ai fauté. Un joueur doué. Voilà, dans dans mon mémoire qui n'a pas fait carrière et tu t'es dit à la base tu t'es dit mais celui-là c'est sûr qu'il va faire carrière il a trop de qualités et finalement pour quelques raison, il n'a pas réussi à percer est-ce que tu as un nom à citer non non pas de souvenir non je sais pas de nom à citer il y a plein de joueurs il y a plein de garçons qui avaient des moyens d'y parvenir mm -hmm. mais euh, pour arriver au bout il faut un peu il faut de tout y a, il faut, de, faut avoir de la chance il faut avoir un état d'esprit il faut avoir des qualités il faut il faut être persévérant il faut être travailleur il mm -hmm. y a des garçons qui n'ont pas un Talent exceptionnel, mais qui arrive au bout parce qu'il compense par, euh, par une grosse volonté. Il euh, y, y a aujourd'hui, on a Xavier Chevalerin qui joue à Reims, mmh. on a Julien Faussurier qui a, qui a fait une carrière, on a des garçons dont on Pierre Valdivia, on a des ouais. garçons dont qu'on connaît moins, mais qui font des carrières. Ils n'étaient pas Excessivement doués, ils avaient de la qualité, ils avaient des choses, mais ils avaient un état d'esprit, c'était des, des combattants, c'était des, des, ils avaient une mentalité, ils ont passé, et d'autres qui étaient peut-être plus doués qu'eux et qui n'y sont pas parvenus parce qu'il leur manquait quelque chose, il leur manquait de la, de la détermination, de la volonté, euh, de leur, ils n'avaient pas envie de travailler plus, ils n'avaient pas envie d'en faire plus, ils, voilà, ils ne respectaient pas forcément tout. Et, et quand on ne respecte pas, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver. Un sujet un peu sensible, Nico, c'est la formation lyonnaise. Parce que toi, à plusieurs reprises la saison dernière, tu as dit. Bah, c'est Cette formation lyonnaise, effectivement, tout le monde salue, à juste titre, en disant qu'il y a de nombreux joueurs formés qui évoluent en Ligue 1, en Ligue 2, à l'étranger. Mais dans les équipes de jeunes olympiques lyonnais, eh ben, au niveau des résultats, c'est un peu moins bon qu'il qu y a quelques années et qu'il n'y a pas de titre. C'est ce que tu disais il y a quelques euh, émissions en arrière. Ça oui, oui, parce que du coup, il y a eu une période où vraiment. Euh, avant et même pendant l'hégémonie de l'équipe une. Euh la réserve, les 17, les 15 ans, gagnaient des titres de champion, gagnaient des, euh, des titres de CFA, on en a gagné pas mal, euh, et j'ai l'impression qu'on arrive sur la fin un peu du modèle, et là ça s'étiole en termes de résultats, on joue le maintien, la réserve s'est maintenue à deux journées de la fin l'année dernière, euh, pour moi c'est pas normal. Alors après il y a peut-être une nouvelle philosophie où euh, on devient pro plus rapidement et on intègre le groupe pro plus rapidement, et c'est vrai qu'à ma période, il fallait faire une centaine de matchs de CFA avant peut-être de, de postuler euh, avec l'équipe Première, mais euh, toujours est-il que euh, aujourd'hui euh, on est meilleur centre de formation que par le, le titre, pas par les performances. Voilà, on forme beaucoup de joueurs, c'est vrai, mais je pense qu'on se repose beaucoup trop sur nos acquis, à mon sens. Alors voilà, il y a eu pas mal de, de changements et de révolutions au sein du centre de formation. On intègre pas mal mes anciens coéquipiers, euh, anciens pros à l'Olympique lyonnais, euh, mais sans leur faire offense et leur manquer de respect, c'est pas parce qu'on a été. Euh, joueur de foot euh, professionnel qu'on a eu les qualités pour le devenir, qu'on est forcément un, un pédagogue et un formateur. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on connaît le foot qu'on arrive à bien transmettre. Voilà, et c'est peut-être aussi, peut aussi le problème actuel. Parole à la défense, Armand. Mais bon. <laughs> non, 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 mais voilà, de manière générale, qu'est-ce que tu penses de ça, de ce changement un petit peu Forcément, non, moi, ça a je évolué. Veux, je ne veux, veux pas commenter euh, mmh. le, le, le truc de la formation aujourd'hui, je n'ai pas envie d'entrer dans, le, dans les commentaires. Euh, simplement, pour euh, je peux juste dire une chose c'est qu'en mmh. CFA, quand même, on joue, en, en CFA, en National 2, mmh. on joue très jeune. On voilà, joue de plus en plus jeune. Donc, les clubs euh, régionaux qui sont autour mmh. sont bien armés parce qu'en National 2. Tu euh, perds tous les anciens ici <laughs> mmh, bah, pas, forcément, <laughs> pas forcément, parce qu'il n'y en a pas tant que ça finalement. Mais en National 2, tu as des joueurs qui font quasiment que ça. Quoi. Ouais. Qui font ah, que tu leur métier, football. Ouais, leur métier. Euh, et, et tu rencontres des garçons qui ont un vécu, euh, qui ont un vécu déjà, qui, des équipes qui sont très solides. Et puis, euh, bah, en début de saison, ça marche pas trop mal parce que tu joues sur des terrains qui c'est des billards. Mmh. Et quand tu commences à rentrer dans les mois d'hiver et tu tombes sur des garçons, qui ont, des gars qui ont 27, 30 ans en face de toi et tu débarques avec tes gamins de 17 ans, 18 ans et qu'il faut aller jouer dans les, les, les terrains où il y a des bosses de partout, où il y a de la boue, il y a de la neige, etc. Euh, bah, c'est mmh. plus la technique. Et là, ça devient difficile. Et oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, tu vois, il ce que je disais. C'est-à-dire, mmh. nous, enfin, c'est pareil, je dis toujours nous avant, mais on sortait de moins de 17 avec Armand. On passait en DH. On faisait une année mmh. de besogneux face à des adultes. On apprenait, ouais. le, on apprenait le football d'adultes. Ensuite, on passait en CFA. Et, et ensuite, on intégrait le groupe pro si on était bon. Donc en fait, y avait, on allait vraiment étape par étape. Et là, euh, aujourd'hui, je pense. Euh, mais c'est le cas dans le football français, en fait. Oui, oui, tout, que... tout va beaucoup trop vite, mmh. en fait. Et mmh. les joueurs n'ont peut-être pas le temps d'apprendre leur gamme. Et on, on, pour revenir sur Océma voilà, on donne peut-être trop de responsabilités trop vite à des joueurs talentueux, mais qui n'ont pas euh, gravi les échelons au rythme où ils auraient dû le faire. Et en même temps, c'est vrai que quand on voit des joueurs talentueux, on évoque notamment souvent le cas de Ryan Sharky Et souvent, les supporters disent bah, Ryan Sharky s'il est fort. Bah autant l'intégrer directement avec l'équipe professionnelle et le faire jouer. Ou alors il faut faire preuve de patience en disant attention, ça reste un gamin de 16 ans. C'est délicat, hein c'est vrai que c'est compliqué ce, bah, ce débat est très intéressant. faut pas les griller. On a, oui, mais on, on rentre dans un contexte un petit peu particulier. Parce que déjà, euh, avant, pour obtenir un contrat, il hum. fallait déjà partir à la guerre. Aujourd'hui... On protège les joueurs parce que on a vite fait, on peut se les faire prendre, on peut se les faire piquer par d'autres clubs. On peut, il y a ça, en, le contexte on, a changé. Le contexte a changé aussi, l'environnement a changé. Chaque joueur a son agent, ses conseils, etc., etc. Donc chaque joueur est bien entouré. Donc aujourd'hui, on garantit, on met le joueur dans une, dans des circonstances euh, qui sont assez confortables. Dans un coco. Ouais, oui oui Avant, tu avais une pompe tu fallais faire l'année. La, Maintenant, ils ont une pompe par semaine. Ils reçoivent des cartons <laughs> sans arrêt. Ils ont des ils ont des, des, des sponsors, ils ont, ils ont plein de choses. Bon, tant mieux pour eux, c'est pas la question, tant mieux pour eux. Mais tout ça, c'est une gestion aussi. Alors, si tu veux, de plus en plus jeunes. Ils ont des contrats de plus en plus jeunes, ils sont face à des responsabilités. Et demain, un garçon de 16 ans, on va le mettre avec un, un effectif professionnel. Moi, je veux bien, mais est-ce que c'est la place d'un garçon de 16 ans Est-ce que c'est la place d'un garçon de 16 ans de voir les autres partir avec des voitures Pas possible. Est-ce que c'est la place d'un garçon de 16 ans d'entendre des conversations d'adultes D'adultes qui peuvent être financières, qui peuvent. De Est-ce un, un, un garçon de 16 ans, il a besoin d'être avec les garçons de 16 ans et il a besoin de continuer à jouer à la PlayStation, peut-être, ou d'autres jeux hein, parce mmh, que moi, moi, je ne suis plus à la page. Il y a longtemps, j'ai été largué dans ce domaine. Si mais es, mais sur je... Twitter, déjà, es sur Twitter déjà, c'est bien. Oui, mais je ne suis pas très actif. J'ai ouais, <laughs> envoyé un, un truc quand je suis arrivé au club et un truc quand je pars à la retraite, je pas, Twitter. Euh, mais euh, voilà, si tu veux, je trouve que. Euh, à un moment donné, il faut faire attention aussi de ne pas aller trop vite. Tu vas mettre un gamin, un jeune de 15 ans et demi ou 16 ans dans un vestiaire pro, est-ce que c'est vraiment sa place Est-ce qu'il n'a pas d'autres choses à entendre, à voir, à débattre, à discuter tu vois, y a... Moi, c'est ce qui me gêne, le... gêne aujourd'hui dans la, la précipitation qu'on peut avoir. On l'a déjà fait sûr. cette erreur parce que il y a eu des joueurs qui sont sortis à 17 ans moi, à Lyon, à, euh, Joël Fréchet a été, est euh, euh, oui. a moi, été un joueur Malbranc, époque, très jeune, qui est Malbranc, très vite. qui a été très jeune, Alors, Laurent Payanelli tout le monde connaît, oui. il a joué très tôt. Euh, C'est peut-être pas forcément, il faut prendre le temps aussi oui. encore une fois. Moi je suis plus sur la patience, le travail et il faut laisser grandir les joueurs avec les garçons qui sont autour de lui. Quoi. Mais tu vois, moi, quand, quand j'ai intégré, 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 intégré le groupe Pro, je me changeais dans les vestiaires de la CFA. Et j'allais rejoindre les autres euh, mmh. à l'entraînement. En fait, je me changeais pas avec les pros. Le problème, c'est que maintenant, comme c'est scindé, il y a un côté à dessine un côté à mes yeux, Tu peux plus faire ça. Le gamin qui va se changer à mes yeux, il peut pas. Enfin, il va pas prendre sa bagnole, l'habiller pour aller s'entraîner. Donc, il est obligé d'intégrer directement le club pro, mmh. le groupe pro. Donc, ça aussi, c'est peut-être pas. Une... Ah, bon, pas mal. Il y a quand même les vestiaires pour, a, pour les, euh, les nationaux et bon. les pros sont à part. Pas Mais c'est vrai que, que la, la passerelle, de la passerelle est tout de suite, <laughs> <La passerelle rire> suite là. La passerelle est tout de suite là de l'avenir de Armand Garrido Qu'est-ce que tu vas devenir, Armand Parce que retraité, on ne voit pas retraité tranquille, pénard sur ton canapé euh, à regarder la télé. Bon, non. Euh, là, puis j'ai passé une, une phase euh, tranquille. Mmh. Je vais, m, je vais me relancer certainement dans quelque chose. Ouais. Euh. Voilà, je vais me c'est en gestation, c'est en train de se mettre, et ça sera. Je suis sur des idées d'accompagnement de de, jeu, de joueurs et puis dans le perfectionnement technique ou des choses comme ça. Voilà. Alors, voilà, mm -hmm. on verra. On verra. Je vais pas t'avancer, mais c'est un peu ça. Voilà. C'est l'idée. Oui. C'est. Mais bah, il faut pas aller plus loin parce que je oui. suis pas allé plus loin aujourd'hui. Aujourd D'accord. Mais l'idée c'est de rester un petit peu dans le circuit et puis de pouvoir continuer à aider les jeunes. Euh, euh, leur faire faire peut-être ce qu'ils peuvent pas faire. je veux pas, je, Moi, mon but, c'est pas de faire de la compétition ou des choses comme ça. Mmh. C'est simplement d'apporter un petit peu de confort euh, par la technique à peut-être à certains garçons qui en ont besoin. Voilà, qui se sentent un petit peu plus à l'aise en montant, en essayant de faire des choses comme ça. Voilà, mais la formule, je ne l'ai pas encore. La <laughs> Former je... hein. et transmettre, ça a d'esprit. Former et transmettre, tu allais dire que le football a besoin encore d'Armand. Ah, le football a besoin d'Armand. Voilà, ouais. je t'ai entendu. Enfin, Nico, de personnes je, de, personnes, de la qualité et de l'état d'esprit <laughs> d'Armand, ça c'est évident. Et <rire> <rire> Allez, on va parler, messieurs. Euh, il nous reste peu de temps mais on va parler des prochaines échéances lyonnaises avec une semaine cruciale puisqu'il y aura deux matchs on va le voir là d'ailleurs euh, sur le tableau proposé par euh, Anthony Ravas euh, c'est mercredi donc euh, déplacement à Brest et puis la réception samedi du FC Nantes d'ailleurs à 13h30 hein. Nico, on va, faire 13h30. Petit, on va faire un petit brunch je crois hein, hein bruncher comme on ouais, c'est euh, voilà semaine cruciale évident. messieurs est-ce qu'on doit dire 6 points obligatoires eh ben, je pense que le stade brestois, sans leur faire offense, euh, doit pouvoir être un, un adversaire à la portée de l'Olympique lyonnais, même à l'extérieur. Et puis ensuite, si on veut vraiment euh, remonter au classement, on se doit d'être maître à domicile et donc de battre le FC Nantes à domicile, même s'ils sont dans, dans un bon début de saison. Donc euh, l'objectif est de prendre 6 points. Après, 4, euh, ce sera déjà pas mal. Avant de donner la parole à Armand Garrido, on va avoir une phrase signée Anthony Lopez. On va lire une phrase. C'est Anthony Lopez qui disait justement après la, la, la victoire, la défaite, pardon, oulala, lapsus là là, non révélateur, <laughs> la défaite contre le Paris Saint-Germain. Anthony Lopez qui disait, euh, maintenant, il faut gagner mercredi, donc à Brest, quatre matchs en victoire. Ce n'est pas normal du tout à l'OL. On sait qu'on n'a pas fait notre travail, mais si on commence à douter, trois petits points. Ça on aime lire, vraiment, on aime ce type de déclaration, ça, voilà, ça, c'est parce que tout le monde le pense, et que c'est important qu'Anthony Lopez, quand même, qui est un leader, certes qui n'est pas capitaine, mais c'est un leader, et c'est vrai qu'il a raison, c'est pas normal à l'OL, et là il faut vraiment rectifier le tir à Brest. Je pense que oui, parce que bah Anthony, il a été capitaine, hein, il a est un meneur de vestiaire, certainement, il a une forte personnalité, mmh. donc euh, oui, il faut, il faut relancer tout ça et motiver tout le monde. Et je pense que la personne, il a, il a un aura dans le vestiaire qui, peut, qui est très important et qui peut, qui, peut, qui peut faire bousculer les choses. Et il a l'expérience avec lui. Quand euh, oui, euh, il faut prendre six points. Je pense qu'il faut prendre six points parce que il faut avoir l'ambition là de, de prendre ces six points parce que on... pour tout, pour tout le monde, pour l'équipe, pour le les le, le coachs, pour l'encadrement, pour le club, euh, c'est important de de, de, redonner, de reprendre confiance, tout simplement, de relancer. Là, c'est quand même. Euh, il y a une opportunité ouais, sans moitié de respect bien à la sûr, Brest. Hein, attention, ni oui. à Nantes. Hein, euh, c'est des équipes euh, qui sont tout à fait respectables. Euh, ceci dit, si on doit prendre six points, oui. je pense que là, c'est la révolution qu'il faut y aller. Il faut y aller. En avant. C'est pas guingamp, mais en non, avant. En avant. <laughs> merci tout cas messieurs, Merci beaucoup Armand. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir accepté l'invitation. Et puis on va te suivre forcément. Donc on va donner des nouvelles hein, dès que tu es prêt. Il y a ah ouais. des petites infos à nous donner. On, fera On va te suivre et puis avec grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup Armand. Merci beaucoup merci Nico. Merci Razi. Merci et puis merci surtout à vous vraiment. Merci de votre fidélité euh, et pour tous vos nombreux messages qu'on a reçus sur les réseaux sociaux pour cette émission, c'est la vôtre 100% OL, well, 0% langue de bois. C'est tous les lundis à 18h en direct sur YouTube pardon et en multidiffusion sur Lyon Capital TV à lundi prochain 18h. Merci. Everybody, everybody. We bad and determined. For the you are we yearning. There's a fire that's burning. It's up that we You can doubt we the baddest. We came here to shine. And I ain't worried about yours. I'm trying to get mine. Come on. <laughs>